Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite carte, je pense qu'elle va être rapide parce que je vais la mettre en avance rapide juste après la présentation. J'ai décidé d'utiliser du papier aquarelle, alors celui-ci c'est du papier Canson, ma presse à tampons et cette planche de tampons de Kelly Creates. Je pense utiliser ce feuillage-ci et cette étiquette et après je verrai pour une autre planche de tampons pour mettre un petit sentiment, je ne sais pas encore quoi. Donc du coup, je vous laisse avec la vidéo en avance rapide. C'est parti. Donc je prends le tampon que je viens de vous montrer. Je vais essayer de le tamponner le mieux au centre possible. C'est pas français ce que je viens de dire. Le plus au centre possible, voilà, c'est mieux. Je vais le tamponner avec la Versafine noire, étant donné que je vais aquareller après. Ensuite, je prends le grand feuillage, donc je vais le tamponner en haut et en bas à gauche. Il ne sera pas en entier. Moi, j'aime bien mettre une partie seulement du tampon quand ce sont des feuillages comme ça. Je trouve le rendu sympa plutôt que d'avoir le feuillage entièrement. Après, chacun son avis là-dessus, mais moi, je trouve ça sympa. Donc là, je prends les pastels à l'huile Art Création. Donc elles sont solubles à l'eau, ce qui va me permettre du coup d'aquareller mes tamponnages. Donc vous allez voir, je vais faire des essais en fait sur du papier aquarelle pour être sûre que la couleur me plaise. Et à un moment, sur ma plaque en verre, je vais avoir plein d'échantillons de couleurs. Mais ça me permet vraiment de voir la couleur qui va être posée sur le papier.
Donc ensuite là je prends du gris qui est assez clair. Donc je mets pas mal d'eau pour obtenir vraiment quelque chose de clair. Et je vais venir en fait faire mon fond d'étiquette pour ne pas avoir en fait ce fond blanc du papier aquarelle. C'est vraiment léger, mais je trouve que ça rajoute quelque chose. Vous le verrez en vidéo, pas du tout, en photo juste après, hein, parce que comme d'habitude, je vous mets les photos en fin de vidéo. Et je trouve que ça rajoute un petit quelque chose qui est plutôt sympa. Ensuite, donc je viens prendre ma nouvelle planche de tampon de la dernière collection de Florilège Design. Donc je prends le petit mot, le petit sentiment, et je vais venir le tamponner au centre. Donc après la carte, du coup, je voulais plus rien faire dessus, mais vous allez voir après, il va se passer un truc pas grave, mais je vais devoir modifier ma carte. Donc là, je prends donc mon papier basil. Donc c'est la couleur smoky ou fumé en français. Et ça va me servir de base. Je trouvais que un gris tout clair comme ça rendait plutôt pas mal. Et ça rappelait du coup le fond de mon étiquette. Donc là, je vais mettre ma petite colle. Et normalement, après, c'était fini. Sauf que quand je mets ma colle, bah, Lucie, elle fait quoi? Elle passe son sopalin partout pour étaler la colle pour que tout se colle bien. Sauf que. Mon profiter de l'instant, donc le petit tamponnage que j'ai fait, mon petit sentiment, n'était pas vraiment sec. Alors en fait, ça a bavé, c'était vraiment, vraiment très léger, mais moi ça me gênait, je le voyais. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai retamponné en fait l'étiquette. Donc ça, je l'ai fait hors caméra. Donc j'ai refait l'étiquette où il y a les fleurs et tout, mais de moitié. Ensuite, j'ai coupé juste l'étiquette profiter de l'instant. Enfin voilà, donc là je l'ai retamponné, je l'ai mis en mousse 3D, parce qu'en plus je trouvais que ça manquait quand même de volume, mais en même temps je voulais rien faire d'autre. Donc au final il y aura un tout petit peu de volume, je ne vais pas mettre de petites taches, rien du tout, et la vidéo s'arrête ici. Et donc là vous avez mes petites photos, et la dernière vous verrez mieux. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!